إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد من سليف تلوانس والله سبحانه وتعالى C'est lui qui peut donner l'occasion pour qui nous commence nos leçons online après qui nous finissent un certain problème nous finissent apprendre plutôt certain problème que les parents se gagnent en difficulté le portable finit rempli de mémoire Alors, nous pouvons essayer de faire une autre façon à travers live streaming, ce qui nous pouvons faire à travers YouTube. Pour sa première leçon là, pour finir enregistrer, c'est un mot par vos autres liens là, et ce qui je vous guette. Et ensuite, après ça, Inch'Allah, quand nous trouvons si l'IP morcé, là, nous pouvons faire live, nous pouvons juste lire un moment exactement qu'il est nous pouvons commencer. Alors, pour aujourd'hui, c'est qui nous est là pour aujourd'hui nous peut commence avec Tejwid et ban Colésia c'est le premier groupe ban c'est qui peut encore rentrer ban c'est qui fait rentrer plutôt alors pour aujourd'hui nous pour apprendre un petit peu concernant quand nous sommes arrivés le sifat ul huruf malgré que la dernière fois nous t'y explique en partie nous t'expliquer Alors aujourd'hui, en vitesse, nous ré à l'eau concernant Sifat al-Huruf et nous commençons par dire que ben, Sifat al-Huruf, c'est qualité qui chaque manlette jette en a. Et qualité de manlette, c'est façon qui nous prononce les, façon qui nous les souffle, les sortit pour nous prononcer sa lettre là. Li pa makharij comme on fait makharij quand il sort kha dal sur de la gauche sur la langue quand nous la langue li pote c'est le devant de la langue ou ça à l'arrière alors ça ici c'est qualité de saman lit là et normalement ban ulama je fin divise saman sifat al huruf là en deux parties nous capable dire en deux parties et spécifique première partie c'est ban qualité c'est ban sifat qui est là jette c'est une certaine qualité et sur l'autre côté c'est ce contraire hein? Sur l'autre côté c'est ce contraire comment nous vous trouvez tout à l'heure inshallah ensuite il y a une ban qualité de ban huruf sifat al huruf c'est qui jette pena jette contraire c'est existe comme ça même Alors, sans plus tarder, dans la première qualité, c'est qui nous est là. Et si je peux suivre dans ce livre, c'est à la page de page 27. Dans ce livre, c'est qui je t'ai là, règlement Tejwid simplifié. Hein? Ben, élève, ce livre, c'est qui je t'ai là normalement que je. Alors, ce livre-là, il trouve à la page 27, comme on dit, je t'ai commencé. Et nous commençons le premier qualité, c'est qu'on appelle Sifat al-Hams. Et Sifat, ben alphabet, ben let, qui a sa qualité là, qui nous appelle Zot, ben alphabet de al-Hams, c'est, comment je vais trouver, al-Hams, nous dit côté langage arabe. Côté langage arabe qui veut dire al-Hams, Al-Hams, c'est mia, bourdonning, c'est comme ça. Mais dans le langage de Tajwid, ben, ulama, je finis dire qui était ça, c'est manlet, tout manlet, qui quand nous peut prononcer ce manlet là, nous les souffle, les sortit normalement. C'est là, l'important qui nous comprend, je comprends quelque chose. Là, nous peut cause, l'eau les souffle. Ça, les sortit normalement quand nous prononce sa manette là d'ailleurs il sorti et nous vous trouvez à l'air qui nous est là c'est qui les souffle là comment dire les souffle là bloqué au contraire comment il pouvait venir tout à l'heure alors alhams qui manette ça c'est manette man alphabet de manette arabe c'est qui il a 10 en tout il a 10 alphabet en tout et ça 10 alphabet là Ben ulama, je finis à mettre dans sa moula, sakata shakhsin fahathuhu. Sakata shakhsin fahathuhu. Alors, ça donne une sin, une kaf, une ta, une shin, kha, sad, fa, ha,
Tha et Ha. C'est ça, 10 alphabets là, c'est qui nous est là. Bon, mon unique ajoute, c'est la pratique. C'est nous obliger à pratiquer. Si nous ne pas pratiquer, nous ne pas pour gagner un bon tajwid, nous ne pas capable prononcer bien, et nous ne pas capable de mal lettre, c'est qui je mérite, c'est qui je est là. Alors, nous prenons l'exemple. Nous guetter et tous les temps, mais meilleure façon pour qui nous connaît et ce qui vraiment nous peut prononcer bien, nous prend un alif, un hamza, nous met fatha là. Ensuite, ça alphabet qui les font partie des hams, c'est qui nous peut apprendre là. Alors, ça alphabet là, nous met un soukoun loli. Nous met un soukoun loli, c'est-à-dire qu'on met un soukoun, nous prononce ça alphabet là comment besoin. Alors, ici, comment il y en a dans livre. Nous avons œuf, œuf. Vous voyez ça son là, ça nous les chauffe. Œuf, œuf, œuf. Ça, nous les chauffons. Nous apprenons dans les sons précédents concernant fa quand nous prononçons. C'est nous les dents par devant, c'est tous avec nous. Nous l'allons. Œuf, œuf, fa, œuf. Ici, nous voyons ça, les souffles là. C'est nous pas ramasse nous les souffles, nous laisse nous les souffles. Sortir normalement. Œuf. Œuf, œuf, c'est l'issue aussi normalement. Deuxième exemple, nous c'est ah, ah, ah. Nous les souffle si nous par gorge les souffle en dents, l'issue aussi. Ah, ah, eth. Troisième exemple, eth, 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 eth. Ensuite, nous gagnons ah, ah. Ça aussi, les souffles, l'isotique, moi, je peux trouver. Et nous avons Chine, c'est H. 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 Ça veut dire H. Nous ramassons les souffles, nous gardons les souffles à l'intérieur. Nous laissons les sortir. Nous continuons. Nous avons Acha. 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 Nous les souffles pareil, les sortir normalement. Et Sad. Os, 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 nous les souffle y aller. S, 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 et avant-dernier, kaf, c'est ak, 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 ak. Et dernier lettre, c'est qu'il y a, c'est at. Dernier lettre, c'est at. Ça, c'est nous dire al-hams. Al-hams, c'est qui nous laisse les souffles sortir normalement. Quand nous prononçons ça 10 alphabet là de ben alphabet arabe ben lettre arabe et ben l'alphabet arabe nous connaissons comment il y en a 28 bon il y en a alif il y en a hamza il y en a zali 29 en gros nous y a 28 nous y a 28 alors quand nous trouvons qui ça 10 là ici ça 10 là c'est nous laisse les souffles sortir c'est ce qui est resté l'autre côté livine au contraire c'est ça 18 qui est resté là. Les vignes sont contraires, et ce contraire, c'est quoi? Ben, ulama fait mettre dans sa, comment appeler, dans sa parole-là, nous capables de dire, il dit, azuma waznu qari'in dhi jiddi talab. Alors, là-dedans, nous trouvons une aïn, dha, mim, waw, zaï, nun, qaf, ra, hamza, dhal, Ya, Ghain, Dad, Jim, Dal, Ta, Lam, Ba. C'est-à-dire, nous avons 18, ce qui fin resté. Alors, ça qu'on appelle, ça, on appelle ça Al-Jahar. Ça, on appelle ça Al-Jahar. C'est sur les contraires, c'est qui li apparent. C'est qui fait apparent, c'est ce côté linguistique qui veut dire apparent Al-Jahar. Mais ici, qui nous fait, ça m'a dit là, quand nous prononçons, nous emprisonnons ben, sur les souffles. Nous emprisonnons les souffles. C'est-à-dire, nous pas laisser ça les souffles là, sortir. Hein? Alors, comment il était dedans, comment nous faisons trouver. Nous pas laisser les souffles là sortir. C'est-à-dire, par exemple, si nous disons ah, ah, c'est-à-dire, nous les souffles. Alif, nous mettons alif, fatha. Alif, fatha. Alif, ayn, fatha. C'est-à-dire, nous disons ah, ah. C'est à nous trouver qui les souffles li en place. Les souffles li, comment dire, nous emprisonnons ça, le souffle nous dit ah. Et, va pareil, nous dit av, av.
C'est un lesou, mais c'est les souffles à continu, sorti, non, nous pas dire ça, nous pas dire earth. Pareil, les souffles là, nous ramasser, nous va dire, pas pour qu'on dire, pas pour qu'on prononcer, nous ça, il pas bon, c'est oh, c'est dit, nous ramasser, nous ramasser, nous va dire, oh, il pas correct. As, plutôt, zai, as, zal aussi, il y en a dedans, il vous venez après. As, an, va dire, non, il pas bon, il mauvais, ça veut dire, c'est ça, les souffles là, ils restent en dedans. C'est ça, les souffles qui nous prennent là, ils restent en dedans, ils restent à l'intérieur de nous, par exemple, c'est les souffles, nous va dire, nous pas tirer les souffles. De la même façon, or, pareil, or, Hamza, nous dal, non, il n'est pas bon, c'est ei. Ça, c'est this façon comment nous prononçons ben, lettre, c'est-à-dire ce suffixe, cette qualité, c'est qui je t'ai. De la même façon, nous continuons avec or, rein, or, od, edge, ed, od, el, ab. Alors, ça, c'est al-jahr. Ça, c'est al-jahr. Ça, c'est D, nous finissons. Astéa, nous finissons concernant le D, c'est qui, là. Et ça, D, là, normalement, il y en a trois, nous passons, là. C'est l'autre côté, quand nous disons concernant al-hams et al-jahr, nous disons concernant les souffles. Ici, al-shidda, al-rakhawa, et ce qui est là, c'est qu'au milieu, dans ça, il y en a, nous pouvons nous l'attaler, nous cause de la chida. Ici, nous perpé cause l'eau, c'est-à-dire les souffles, mais ici, nous perpé cause concernant le son. Le son, sa son, sa tonalité, ce qui nous fait quand nous prononçons alphabet arabe. Alors, sa chida, dans la langue arabe, qui veut dire, c'est la fausse. Dans la langue arabe, chida veut dire la fausse. Chida, la fausse. Dans le tajwid, qui veut dire, c'est, comment dire, nous n'arrête ce qu'on appelle son. Quand nous son, ça son là, nous arrête son là en place. Nous bloquons son là en place. Nous n'emprisonnons son là dans nous la bouche quand nous peut prononcer. Quand nous peut prononcer. Alors, nous bloquons son là. C'est-à-dire, ici, c'est son. C'est pas les souffles qui finissent bloqués, mais c'est son qui bloqué. Et ça va être là, il fait rassembler dans sa parole-là, Ajid Qat Baket. Ajid Qat Baket. Ça y est, Hamza, Jim, Dal, Qaf, Ta, Ba, Kaf, Ta. C'est-à-dire, nous avons 8 alphabets. Nous avons 8 alphabets. Et l'exemple, dans l'exemple, oui, nous mettons l'exemple, mais l'exemple depuis ça, on ne peut pas le mettre. Bon, sur l'exemple, nous disons c'est ce son-là, ça son-là, nous bloquons, c'est-à-dire, nous arrêtons en place, son-là, nous arrêtons, c'est nous arrêtons, nous n'arrêtons ça son-là, c'est son-là, nous arrêtons son-là, l'intérieur. Nous arrêtons son là, nous prenons les slits sauts, nous prenons les slits sauts. Il y en a ici, normalement, comment on apprend de l'autre côté, c'est nous avons, comment appeler, ici, son avec les souffles. Son avec les souffles, tout est débloqué. C'est son, les bloqués, les restes en place. C'est nous appeler, shidda, ab. Ces sons-là, ils restent à l'intérieur. Ak, 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 et nous avons et. Nous avons et. Et l'exemple, c'est-à-dire mots, nous avons ajl, ajla, 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 c'est ici Jim. Et nous avons dama, 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 dama. Dama, c'est son là, il est bloqué en dedans. Dama,
ça mime normalement il va bloquer les pouvins le côté que nous trouvons. Qaf, qaulun, 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 qaulun. Hein? Alors ça c'est inali dans ce livre. Ça c'est shidda. Il nous dit il a son contraire. C'est son contraire ici c'est rakhawa. C'est si nous connaissons qui shidda c'est la force et ce qui nous emprisonne sont, c'est-à-dire rakhawa c'est son contraire. Et rakhawa en langage veut dire un kitso c'est qui tonne, c'est qui tonne, un kitso c'est qui mou. Et d'un côté tajwid c'est qui nous laissons là sortir. Et nous laissons là sortir sans aucune interruption. Ils sortent. Hein? Nous laissons là sortir normalement. Et c'est même les autres lettres qui font partie de ça. Par exemple, il y a plusieurs exemples. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple, il y a un signe S, M, S, S, H. S, S, sont là. S, sont là et continuent sortir. Nous pas l'arrêt, sont là. M, am, am, on va am, on va dire am, am, nous pas dire am, nous va dire am, am, ça veut dire, il y a, les sont là aussi, les continuent, am, s, s, on va dire s, 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 pas beau, c'est s, s, of, 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 ah, ah, ici, normalement, les souffles avec comment appeler sont le deux li sorti. Quelques exemples, nous avons aslama, aslama, nous voyons aslama, nous voyons aslama, aslama pas beau, il y a aslama, 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 c'est s sont la continue sorti, aslama, aslama. Ah, bon, mon pays, dans les tickets, mon pays risé, c'est juste pour qui je comprends li pour ce qui je gagne li pas veut dire qu'il vient risser ici et là bal 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 nimtu 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 pas bon c'est ça ça c'est comment appeler ça alphabet là sous qualité hein regardez nimtu nimtu li pas bon mim pas qu'à prononcer comme un mim c'est nimtu 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 nim tout c'est pina nous pas encore rentre dans la loi c'est qu'appelle comment appeler subhanallah nous pas encore rentre l'eau c'est qu'appelle ban runna hein nous pas encore rentre l'eau runna ahkamul mim ahkamun nun mais là nous avons dit ça mim là dans lui même c'est nim tout nim tout nim tout nim tout li pas beau c'est nim tout nim tout nim tout c'est pina runna là dedans miss la miss la miss la miss la alors ça c'est ban point c'est qui ina bon ina c'est qui appelle ici et parmi ban c'est qui nous va apprendre aujourd'hui c'est zis concernant shidda et rakhawa qui lui paye dans zis son contraire mais il y a un autre c'est qui au milieu et au milieu c'est at-tawassut at-tawassut wasat normalement veut dire bah au milieu wasat veut dire au milieu au milieu elle c'est la modération elle c'est la modération de tout qui chose hein? La modération côté tajwid c'est une lettre qui nous pas ni prononce ni avec la force des shidda comment nous finir prendre nos côtés par exemple jim aj 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 ces sons là ils bloqués en dans aj et non plus une modération c'est qui une modération c'est qui on va dire complète net li modéré complètement par exemple s alors ça li différent et ça nous a cinq alphabets pour ça hein nous a cinq alphabets pour ça ça cinq alphabets là ben nous allons fin mettre li dans sa forme là c'est lin omar lin omar lin omar c'est être gentil être doux être comment appeler être douce comment dire au omar Lin Omar, c'est lam nun ain mim ra. Et nous avons saman moula comme un ulama fin donné. C'est juste pour qui lui facilite nous. Et nous vous trouvez après, inshallah, à la fin, qui ina certaines man kitso, certaines man place que man ulama par exemple pour compile ça
connaissant ça, ben, c'est écrit un poème pour se préserver. Enfin, alors, dans un poème-là, nous trouvons qu'il a ça va bout, ce qui nous préserve, certains mots, par exemple, Ajid Baket, tout ça. Alors, Lin Omar, etc. Et de la même façon, comment nous apprendre après Yen Mou, ou soit Yen Mou, après Ina. Les autres encore, ben, nous, c'est qui nous avait rappelé à cela, c'est qui nous a dit dans classe. Alors, tout ça, ça mot-là, il vini, c'est que normalement, filmé ça dans c'est qu'on appelle poème pour qui il vient facile pour mémoriser. Alors, ici, nous prenons ça, l'exemple, ça, cinq exemples-là. Elle, c'est elle, comment dire, son là, il vient bloqué. Mais en même temps, il est sorti. Elle, moyen bloqué, elle, c'est moi, il est sorti. Il est bloqué, il est sorti. Elle, il est au milieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il est bloqué, pas elle, il pas elle, il pas elle, c'est pas une sortie nette. Un, c'est pas un, il est bloqué, et c'est pas un, c'est pas une sortie nette. Un, non, c'est un. C'est à cause ça qu'il lit au milieu. Ça, cinq là, ça, cinq alphabets là, c'est au milieu. C'est en ce qui concerne. Ar-rakhawa et Ash-Shidda. Nous avons Ain, c'est qu'on appelle Ain. A. C'est A. Nous bloquons son là. A. Mais seulement, comment il y a une consigne sortie? A. 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 Ain. Ré. Ça. Alamin. 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 C'est A. Comment il y a? Nous avons un coup arrêté à ça, il reprend. Alamin. A. A. Y arrêter. De la même façon, et ar. Bon, ar, tout ça, et non, pour les autres mansifat qui attachent 6 avec ra, qui nous pouvons venir après, Inch'Allah. Moi, je peux apprendre ni après. Bon, après ça, les sons là, c'est qu'ils nous apprennent, et un petit devoir, c'est que j'ai besoin de faire, c'est lire ça. Ayat là. Et ce ayat là, c'est un ayat qui, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, presque tous les élèves connus, tous les élèves déjà connus, c'est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi là-dedans, c'est Ina, ben place, côte, ben lettre, côte Ina, Shidda et Ar-Rakhawa, qui fin mettez, comment Ina, dans ce livre, je pourrais un lit, c'est-à-dire l'hypo à la page. Non, on ne va pas mettre lit dans le livre, il n'est pas là. C'est ici qui nous est dans le lit. Et si vous m'avez trompé pour des lire dans le livre, tu mettais. Non, c'est dans le nouveau livre, ça. Qui, les poèmes à lire à l'œil. Bon, ici, il y a un pourtant qui nous lit à lire, par exemple, en tout cas, lit à lire ensemble. Mon lit à lire, je t'écoutais et je t'écoute bien et je te lis à lire la case. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bon, ça c'est lecture, c'est qui je besoin faire, je besoin lire, et mot pour écoute, je pour ça. C'est un mot pour écoute, je n'importe quand, je finis pareil, pour qui je te lire, ça, ayat le coursi, je fais m'en connaître. Alors, nous pour avoir, je te fais m'en connaître, ou ça, je te finis lire. Dans le WhatsApp, je fais une voice recording. Là, je envoie moi mon numéro personnel. Moi, pour écouter, c'est là qui tombe pour faire je te connais, man rire. OK? Bon. Nous continuons avec un autre partie. Un deuxième man partie, c'est qu'il y a les autres man non. Les autres man sifat ul-huruf, c'est qu'on appelle al-isti'ala. Al-isti'ala,
Côté langage, isti'ala, c'est l'isode dans le verbe ala ya'alu. La deuxième nuna, al-a'ala. Al-a'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est très haut. Un poème à nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-a'ala, sabbih isma rabbika al-a'ala. Nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là-haut. C'est à cause, c'est un parmi ben dua, ben adhkar qui nous est là. Dans sajda, quand nous plie en bas, nous dit Subhan Rabbi al-A'la, tout pureté appartenir à celui qui très haut à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça montrait nous acte de comment nous peut humilier nous peut veiller nous dans ibadet juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand nous plie en bas, nous peut faire éloge de celui qui plie, celui qui plie, c'est plie là-haut, plie haute, l'eau, saut. L'eau sur arche, l'eau sur le trône. Alors, c'est l'isti'ala, d'un côté langage, veut dire élevé. C'est élevé, comment trouver ça? Élévation. Un qui est élevé. D'un tajwid, qui élevé, nous pouvons dire? D'un tajwid, c'est qui nous élève, nous la langue. C'est-à-dire finissons, nous la langue, l'extrémité, l'élève jusqu'à côté parler. C'est nous parler, nous connaissons parler là, nous parler de la bouche en dents. L'élève en dents quand nous prononçons saman l'itla. Nous prononçons saman l'itla. Et quand nous pouvons prononcer man l'itla, depuis là-bas, man huruf al-isti'ala, alors ce qui est arrivé, ça sonne là aussi, il saute de l'autre côté. Ça sonne là, il saute depuis là-haut et il vient. Et ça, man huruf al-isti'ala, voici, c'est ça man l'itla, cette lettre maintenant, khussa dha'tin qidh, c'est ça, cette alphabet là. C'est cet alphabet là, nous essayons de prononcer. Toujours, comme on dit, nous mettons un hamza devant lui. Nous mettons un hamza par devant, hamza fatha. C'est quand nous prononçons cet alphabet là, nous trouvons qui nous la langue, nous la langue, l'extrémité. C'est la fin de la langue là, il tousse avec nous parler, il monte avec nous parler là-haut. Est-ce qu'il y toussait, il n'y pas toussait, il collait, mais seulement il montait. Hein? Qui fait un mauvais jeu de ça, il collait pas collé, parce que nous prouvait à l'air qu'il y en a parmi man huruf al-isti'la, qu'il y montait, il collait. Il colle avec nous parler. Mais là, nous pas cause tout ça là. Là, nous peut dire, il montait. Hein? Il montait. Et qui va l'alphabet monter, quand nous prononçons, il saute pas derrière, c'est-à-dire, il saute depuis là-haut, pas derrière, c'est ça, cet alphabet là. Kha, Sad, Dad, Ta, Za, Ghain et Qaf. Hein? Kha, Sad, Dad, Ta, Za, Ghain et Qaf. C'est ça, quatre, ça, sept alphabets là. C'est qui, nous, ça, Sosa, il saute là-haut. À ce qu'on saute là-haut, automatiquement, nous la bouche, quand son là, il saute là-haut, automatiquement, nous la bouche devine plein. Nous la bouche devine plein. Il y a cet improvisé juif, il appelle la bouche ro. C'est la bouche vine ro, la bouche pleine. Il dit or, or, os, os, od, 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 ot, ot, oz, 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 or, or. Et dernier, nous avons ok. Et tout ça là, si nous mal prononçons, par exemple, ma kaf, si nous disons ak, une finit une kaf avec la bouche plate. Et ça, c'est nous pour apprendre après. Ak, c'est la bouche plate. Ça veut dire ok, c'est la bouche ronde. Si nous mal prononçons, il finit censé. Et ça, c'est il y a ben erreur. Et pas une erreur qui beaucoup ben s'élève, beaucoup ben personne fait, mais il y a beaucoup le rein. Rein, c'est un guiso qui est beaucoup difficile pour beaucoup ben enfants. Et c'est que nous remarquons beaucoup de Maurice, ben, élève, je gagne sa difficulté pour prononcer Rhein. Pour prononcer Rhein, bien, comment besoin. Mais si l'on comprend que Rhein, c'est parmi ben, alphabet qui nous besoin faire la bouche oubliée, même oublier, c'est là qui veut dire, ben, pas qu'à ça te dit, oui, ça y est important. Pour je comprends qui, dans, Tejuit, c'est qui plus important, c'est pas qu'on connaît, il appelle Istéala, cette définition. C'est plus important, c'est qu'on comprend qu'il y a l'Istéala, c'est pas un ben alphabet qui nous la bouche quand nous peut prononcer l'alphabet là. L'IP saute rond et l'IP saute par là-haut, nous la langue peut, sur l'intérieur, sur l'extrémité, sur la fin, comment dire, l'IP tous avec palais. Or, or. Or, c'est dit monter, hein? Or, os,
C'est-à-dire que si nous mal prononçons, nous pas prononcer, il y a as, il finit en sin, ou ça finit en sin et shin. Si nous mal prononçons, as, as, adda, 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 atta, atta. Et si nous mal prononçons, atta, nous allons prononcer at. At, c'est ta, ou soit en ce qui trouve au milieu de ta et ta. Mais pas exister ça dans la langue arabe. Et surtout, qui fait, il est important pour nous parce que nous pouvons lire le Coran. Et le Coran, si nous sommes ce meaning, il y a un kaf là, comme nous disons, kaf, living kaf. Et l'exemple, c'est qui presque tout musulman connaît, tous enfants, tout du monde connaît, c'est nous sommes kalb, pas l'équerre, kalb veut dire l'ichien. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire est-ce qu'ils opèrent dans l'équerre, prononce kalb, nous veut dire kalb, est-ce qu'ils opèrent dans l'ichien dans l'équerre, complètement. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous besoin, prend compte. Pour aider nous pour prononcer, et ça y est important qu'il nous prononcer, nous prononcer, nous prononcer, nous prononcer. Nous pas pareil dire ça qui chose ça. Nous avons besoin de faire beaucoup, 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 beaucoup pratique. Pareil comment dans l'école, ben, si qui besoin. Sur révision, c'est la pratique, en mathématiques, physique, tout ça. Chimie, c'est où besoin pratiquer, 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 pratiquer. Comme ça même, t'es juif, où besoin pratiquer tous les jours pratiquer. Ben, exemple, c'est qu'il y en a, pour ne pas trop. Haroun, yes. Haroun, Haroun, yes, Haroun, ha, yes, yes, tanasaroun, 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 sad, daraba, 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 da, daraba, yutafu, 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 zilalun, 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 غول 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 غين غول قوم 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 bon ça c'est l'exemple de al isti'la. Maintenant nous venons le contraire c'est ce qu'on appelle al istifal. Al istifal isti'la veut dire monter, c'est la langue fine montée, il fine élevée là-haut. Istifal, c'est l'abaissement. L'abaissement, si vous mettez les déclins, l'abaissement, c'est elle qui n'avait la langue là, l'ibaissée. La langue là, l'ibaissée, n'est plus là-haut que c'était avec parler là, moment qui nous peut prononcer, ça va l'être là. Alors, ça va l'être là, c'est man lettre, tous les autres man lettres apportent man alphabet de al isti'la. Et qui nous dit, alors les sons atténués, c'est ce son-là, il n'y pas fait à sa son, là, sa gros son là aussi, il n'y pas fait à, quand nous prononçons sa man lettre là, et il sortit en bas. Et quand il sortit en bas qu'arrivé, la bouche est plate. La bouche, automatiquement, il vient dans la bouche plate. Et définitivement, comme nous dit, avec l'exemple, nous, récit comprend plus bien. Par exemple, kaf. Là, nous fait prendre kaf de l'autre côté. Kaf, la langue là, il est là-haut, il tousse avec parler, tandis kaf, 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 il sortit normal. Kaf, katibun, katibun. Si nous mettons kasra aussi en bas, livin, qui, enfin, pas vin, ça, mais l'autre mot, c'est ki, kitabun, kitabun, la bouche la plate. Ou soit, pluriel de kitab, c'est Koutouboun, koutouboun, malgré kou, nous prononçons de façon, mais seulement kou, c'est la bouche plate, c'est pas là, d'ailleurs kou, c'est la bouche plate. Katibun, katibun, et là-dedans, tous les trois. Katibun, chadidun, chadidun, vous voyez, on va dire chaud, chaud, nous ne pas dire, nous pas dire, nous pas dire ça. Nous, ça ici, nous pas qu'à dire, parce qu'il y en a pas. Il y a certains élèves trop de faire, je le fais, man, erreur. Chadidun, chadidun, launun, launun, launun. As-samawati, as-samawati, as-samawati. Et, nous y en a, junubihim, junubihim, junubihim. Innaka, 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 azaba, azaba, yashfa'u, 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 annaffathati, annaffathati,
nafathati, an-nafathati, ujilat, 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 hamiyatan, hamiyatan, hamiyatan. Bon, ça c'est l'exemple, c'est qui est là, comment nous finissons d'ajouter. Maintenant, nous venons l'eau, ben, oui, ça y est, nous avons l'eau, l'istialat, l'alala, nous ajoutons qui est là, ben, l'alphabet, qui l'époux tous en haut. Et ici, nous venons l'eau, sa qualité qui appelle al-itbaq. Al-itbaq, c'est, on va dire, coller. L'adhésion. L'adhésion, tu comprends, adhère à une partie. Et normalement, adhésion, c'est qui, normalement, de sa base alphabet, qui veut dire, c'est coller. À cause de la, ben, la colle adhésive, on appelle ça. Adhésion, c'est une ligne collée. Ici, qui nous veut dire coller, c'est la langue qui colle avec parler. Nous, la langue, l'école, finition la langue, colle avec parler. Et ça, il trouve parmi ban, huruf al-isti'ala. Il trouve parmi ban, huruf al-isti'ala, mais pas tout. Pas tout, huruf al-isti'ala. C'est seulement quatre qui concernent par ça. C'est sad, dad, ta, idha. Sad, dad, ta, idha. Hein? C'est ça, quatre là. C'est-à-dire, sa quatre là, sa quatre, alphabet là, qui arrivait, il colle plus, c'est quand nous était osso, osso, osso. C'est-à-dire, la langue là, les plis collés, et son là aussi, les plis faux, comment dire, son là aussi, les plis faux. Osso, 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 adda, adda, adda. Nous voyons pas cause qu'al qu'al n'a rien là, mais ils sont là même, c'est un son, c'est qui faux. Adda, adda, adda. Et nous avons atta, atta, az. Atta et az. Et az. C'est-à-dire que nous trouvons qui, quand je peux prononcer, et je veux bien prononcer, je ne sais pas pourquoi on comprend, si je ne prononce pas comment je vais prononcer. C'est-à-dire que je prends chacun l'exemple, je prononce, alors c'est là, je peux comprendre. Par exemple, as, tu vois la bouche là, as, moi j'ai là, des rasgoulas qu'on a dans la bouche là, ad, 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 les gonflés, atta. Atta, atta, av, av, av. Malgré que nous lire, hein, au commencement la langue, lit tous avec, avec nous les dents par devant. Av, av, hein, la bouche là, lit, lit gonflé. C'est les plis gonflés qui, par exemple, nous avons, rein, or, or, hein, rein, or. Malgré que la bouche là, lit rond, mais lit pas ça gonflé. Comment? Ici, lit, lit gonflé, hein. Nous gonflons dans la bouche, plus quand nous lisons sa quatre lettres là. Tout lettre idbaq, c'est ma lettre isti'ala, mais pas les contraires. Okay? Comme nous finissons d'expliquer tout, tout à l'heure là. À ce contraire qui était dit, c'est al-infitah. Al-infitah, infitah, infatah. Ça y est, l'ifin décollé, ou ça nous disait l'ifin, c'est séparé. Al-infitah, c'est séparé. Séparé dans le langage arabe. Tandis que dans Tajwid, c'est qu'il n'applique pas nous la langue, c'est nous la langue au complet, l'y décoller avec, avec nous, nous parler, hein. C'est les restes tout ban alphabet, c'est qui, nous pas fin prononcer, c'est le patron de Itbaq, et dans Itbaq, nous gagnons, comme nous disons, Sad, Da, Dad, Ta et Va. C'est tous les restes, même man huruf isti'ala qui restait, avec tous les restes, ça les concerne, les appelle, ben, huruf al-infitah. Infitah, c'est cette qualité, c'est qui, cette ina. Bon, ina, ben, moi, j'ai, ben, on l'a, je trouve un point, une façon pour qui, je te rappelle ça. Comment ici, j'ai, man akhada wajada, man akhada wajada, sa'atan fazakka haqqun lahu shirbu ghaythin. C'est là-dedans, tout ça, ben, alphabet, c'est qui restait là, tout ça là, les considérer comme al-infitah. Al-infitah. Ben, les titbaks nous servit quand nous, la langue, ben, pour prononcer, tandis qu'infitah nous servit que nous, la langue. Oui, ça, c'est un autre point, c'est qui est important. C'est qu'al-itbaq, normalement, nous servit, nous, la langue, avec nous, parler. Nous servit, nous, la langue. Par exemple, nous dire, osso, osso, osso. Vous remarquez, dans finition, je te parlais, os, ad, ad. Il touche, je la langue touche avec je te parlais. Ad, ad. La langue touche. Ad. C'est aussi le toucher. Tandis que nous guettons sa main ici, là, am, il pas touche le parler. C'est juste la langue. An, il pas touche parler pour les dire. Ach, ach, pas touche le parler.
Aou, pas tout se parler. Edge, pas tout se parler. Ed, pas tout se parler pour dire. Es, c'est tout ça qu'on trouve que n'avait la pli pour la langue là, il pas colle avec parler. Ça, c'est ce qu'on appelle l'in-in-in-vita. Ensuite, il y a le D point, ce qui appelle l'islam. Et normalement, l'IPN a l'effet, le tajwid, c'est-à-dire façon pour lire tout ça là, comme ça, mais il y a un ulama. Il y a quelque chose qui ne sont pas filmé, mais vu qu'il nous peut faire une leçon, et nous, fin passe l'eau là, nous fin ajoute l'île là-dedans, même dans mon livre, nous pas filmé dans le passé. Puis, dans le livre, parce que l'imam Al-Shatibi, dans son poème, dans son Al-Fiyah, mon corps bien, l'IPN a oui. Al-Izlaq, Zalaqa, c'est-à-dire vitesse, et il a fait servir ça pour une personne, c'est qu'ils sont bien fluentes. Il a fluency de causer. Tout le monde, façon causer, pas pareil. Il a du monde est très fluent. C'est-à-dire, n'importe ça, n'importe qu'il est façon de causer, il cause bien. Et tandis qu'une autre personne est capable, il a plus grand degré, plus grand résultat, il a plus bon résultat, il a plus ça. Sur le premier tour, mais c'est un lit pas qu'à causer. Mais un autre lit, qui est dans sa talent là, il a causé. Alors, ça, c'est en passant qui veut dire l'islaqa, donc côté langage. Mais, lit bon, côté langage, quand nous dit côté tajwid, il aide nous pour comprendre. Ici, qui veut dire, c'est un alphabet qui nous prononce avec une vitesse. Un alphabet, c'est qui sortit, on va dire facilement, c'est un alphabet là sorti, qui fait parce que c'est un alphabet là soit. Il saute, ça l'idée au bout de nous la langue, ou soit l'eau nous la livre. Pardon. Mais l'alphabet, c'est qu'il saute au bout de la langue, c'est L, L, L. Ça, il n'y a pas saute en haut, mais L, c'est dans le bout de la langue. N, dans le bout de la langue, il touche là-haut. R, c'est une servie, nous, dans le bout de la langue. R, L, N, R, L, N, R. L, N, R. C'est dans le bout, nous la langue, l'in sorti. À ça, il y a le 3 qui saute, ça 3-là, je saute l'eau, t'arrives. Nous, il y a F, F, F. Si nous, bien servi, nous l'arrive pour prononcer ça. Nous, pas qu'à prouver, dire, fin, sans nous servir, nous l'arrive. Regarde, F, F, F. Non, nous, obligés de servir l'arrive. F, F, F. C'est dans le bout, F, M, M. C'est F, c'est qui? Nous les dents, tous avec l'arrive. Tandis que M, c'est le D, M, M, la livre, les D, la livre, tous ensemble. Ab, ab, M, qui différence est entre mime avec ba, M, nous la livre est collée. Tandis que ab, nous, quand nous finissons de prononcer, nous la livre, les décoller. C'est-à-dire, F, c'est qui, nous les dents, tous avec la livre en bas. M, c'est qui nous dit la livre, tous ensemble, après ça, les coller. M, différemment en place, nous prenons l'autre mot pour répéter, nous disons am, nous arrêtons en place. Tandis que ab, comment nous dire ab, nous visons ouvrir, nous visons redécoller, nous dé la livre. Hein? Ça, c'est une petite chose qui est importante, qui je connais, peut-être je des inconnus, mais seulement ce pas fini, pense l'eau là dans le passé. Et c'est un premier, maintenant la main fine. Mélange tous les six ensemble. Imagine ça, yermoulon, yermoulon, c'est la ligne vini. Ici, il y a farra min lobbin. Farra min lobbin. Farra min lobbin, c'est la farra, mim, nun, la, lam et ba. C'est ça, trois là. Et ce contraire, c'est ce qu'on appelle al-ismat. Al-ismat, c'est le dernier pour aujourd'hui. Al-ismat, qui veut dire ça? Al-ismat, c'est al-man'a. Al-man'a, c'est l'interdiction. L'interdiction qui fait finalement interdit, parce qu'il s'amène à l'alphabet. Là, il est difficile pour prononcer, pas un seul, mais par exemple, fait un mot qui est composé des 6 bandes alphabet de al-ismat, peut exister en arabe. Peut exister. C'est si tant l'îlot pas capable prononcer puis un mot qui lit comme ça qui lit ben c'est l'eau ça ben il se ment là et ce qui ça m'a dit là c'est ça m'a dit là Jim Zay Ren Shin Sin Kha Ta Sad Ya Dal Tha Qaf Ta
Hamza, Zal, Waw, Ain, Dha, Ha, Ya, Ha, Dha, Kaf. C'est ça, ça m'a dit. Et ici, regardez, comment capable ici, Ena. Ici, Ena, c'est qui plus qui 4. Mais dans la langue arabe, nous connaissons qui l'origine. L'origine. Et par exemple, ici, dernier mot, c'est Ena. Yahudduka, et c'est ya, c'est en yala, il n'y a pas d'origine là-dedans. Il n'y a pas d'origine là-dedans. C'est à cause du verbe qui devient vini. Et de la même façon, il y a les autres, c'est qui d'origine n'est pas là. Sahit, c'est celui qui en colère. C'est lui qui en colère. Mais l'origine, c'est trois mots. Sahata. Hein? Sahita. C'est ça trois, c'est ça trois mots là. Mais plus qui quatre alphabets qui pourraient être tout, 10 dans sa manna peut exister dans la langue arabe. À cause de ça, maintenant, fin appel ha, c'est qui, lien, un qui trouve, c'est qui, un, impossible. Un qui trouve, c'est qui, impossible, c'est qui, ina. Bon, ça, c'est une partie de mes dernières choses qui nous est là. En pratique, ok. C'est-à-dire, ici, c'est qui motivé les autres, dans mon poème, c'est qui, on l'a fait, par exemple, ça, des poèmes de Imam al-Jazari. Qui finit connu Ibn al-Jazari plutôt, il est connu comme ce poème qu'il finit écrire. Il y a beaucoup, mais il est moins, mais il est très intéressant. Mes élèves apprennent ça quand on commence à apprendre Tajwid. Malheureusement, dans Maurice, nous beaucoup loin avec ça. Et lui, dans ce poème, il dit Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmamatun wa dhid. Cool. C'est ici, il peut qu'on s'en fasse suifat, suifat ou ha. C'est ici, quand il peut qu'on s'en suifat ou ha, c'est ici, suifat ou ha, c'est suifat, en qualité, jahrun. Comment on apprend, il y a un suifat de jahr et hams, ce contraire. Wa rikhwa, rakhawa, mustafil, et nous avons. Nena, c'est qui au milieu, quand tu mettais. Allez là, c'est Alivine en bas. Wabeina Rikhwin. C'est Alivine. Je le fais mettre, c'est Alivine là-dedans. Mounfatihun Musma Matatun Waddid Kul. Ça y est, Waddid, c'est le contraire de celui qui a l'infitah. Infitah, c'est Mahmousuha Fahathahu Shakhsun Sakat. C'est-à-dire Hams, ça concerne Hams. Allez là, ben l'alphabet de Hams ici. Shadiduha lafzu ajid qatin bakat. C'est Shidda. Shidda. Allez là, ça c'est ben l'alphabet de Shidda. Ensuite, il y en a wa bayna rikhwin wa shadid bayna. C'est-à-dire entre Rakhawa et Shidda. Entre Rakhawa et Shidda. C'est qu'il y en a entre ça dit là. Tawassut ou en japan t'allez là, maintenant ça 5 alphabets là, c'est Lin Omar, Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Wa sab'u ulwin, c'est ulwin, quand on dit ulu, c'est l'isti'ala, c'est un 7. Wa sab'u, c'est 7 ulwin, c'est là-haut, c'est qui était ça? Khussa, dakh, tin, qith, hasar, c'est 17 du sel, ina. 17 du sel, c'est huruf al-isti'a, huruf al-isti'ala. C'est ça, cet alphabet là. Wasadun, wadadun, ta'un, wadadun, mutbaqa, al-itbaq. Comment nous finissons à l'italien là? C'est les sauts depuis la deuxième minutia. Mais souvent les plus faux. Wafirramin, lubbi, al-huruf, al-mutlaqa. Ça, c'est ça. Comment nous disions à l'italien là? Ça ban alphabet là. L'inzilaq, c'est saute très très vite. Il a donné une zia qui est là, il saute dans le bout de la langue. Dans le bout de la langue, c'est l'âme, mime et noun. L'âme, mime, noun, ça trois là dans le bout de la langue, tandis que fa, non, verré à l'âme, mime, noun. C'est là, l'âme, noun et ra. L'âme, noun et ra. Tandis que fa, mim et ba, c'est dans de la lèvre. Hein? C'est la lèvre. Alors, ça, c'est un petit peu. Certains élèves n'apprennent pas ça. Nous laissons ce qu'ils nous font aujourd'hui. L'infini connaît.
Alors ça c'est un petit peu concernant les sons, ce que nous avons pour aujourd'hui. On connaît les sons à l'ilong, mais on ne fait rien seul coup, mais je veux qu'avec écoute en 2-3 coups, on écoute au moins pour qui je connais. Et pour terminer, un deuxième pratique que je tenais pour faire, c'est de ça un Coran qui trouve dans Sourate Ali Imran, que Allah subhanahu wa ta'ala lui bénisse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Bon, ça a quelques ayats là, je te lis, mais en premier, nous dire, premier, je te lis, c'est-à-dire, ayatul kursi avant, fini lire ça, fini corrige tout, lire là après, nous vient l'eau là. Et ça, c'est les sons pour cette semaine-là et semaine prochaine pour ben, les élèves qui sont en première classe de druide. Ça, c'est les autres leçons, Inch'Allah. Ben, les autres leçons, ils pouvaient venir après, Inch'Allah. J'espère que ça, les fin profite, je fin comprends, je fin comprends les. Et Inch'Allah, c'est après, c'est-à-dire nous pour, je pour capable, dire nous pour capable faire les sons, Inch'Allah, online, c'est complète, Inch'Allah. Et si tout passe bien, Inch'Allah. Ok, mes enfants, Inch'Allah, à la prochaine. Nous espérons que je finis comprendre. Il n'est pas qui, question, j'étais là. Je t'envoie moi le WhatsApp, mon numéro. Et Inch'Allah, pour répondre, Inch'Allah, le plus vite possible. Ok, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullah khaira wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.